Par le virus SARS-CoV-19. Elle se manifeste par la fièvre, la toux sèche, les difficultés respiratoires, les maux de gorge, la fatigue, le manque d'appétit et tant d'autres. La source de contamination, c'est le contact avec des personnes malades par voie respiratoire ou en touchant les espaces contaminés. Prévention, lavage régulier des mains avec le savon ou des solutions hydroalcooliques. Le port du masque en couvrant le nez et la bouche. Respectez la distance de 1 à 2 mètres entre vous. Évitez les regroupements. Toussez et éternuez dans votre coude ou dans le mouchoir. Évitez les voyages vers les pays touchés par la maladie, mais aussi les voyages en provenance de ces pays. Isolez les individus en provenance de ces pays pendant 14 jours. Prenons la propagation de cette maladie au sérieux. Elle a occasionné la fermeture de la Mecque, des églises et des mosquées et tant d'autres. La discipline a sauvé certains pays, l'indiscipline a noyé d'autres pays. Mais j'ai peur, bien peur, que l'inconscience n'emporte l'Afrique. Soyons responsables. Coronavirus est dangereux. COVID-19 a beaucoup tué en Chine, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne et tant d'autres pays. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter.